ton frère. En fait, c'est toi que je cherchais même. Y a-t-il un problème? Non, pas du tout, il n'y a pas de problème. J'ai un cadeau pour toi. Voici, c'est pour toi. Vas-y, prends-le. Tu ne l'apprécies pas? Je te déteste. Je le déteste pour toujours. Et même si tu ne le fais pas voir assez. Mais tu es le plus aimé. Et moi, je ne suis qu'une simple pauvre ombre. Mais sois calme. Car je sais qui je suis. Je suis Zulu. Je suis le fils de ma mère. Oui. Tu es réellement le fils de ta mère. Akogo le tueur silencieux. La vipère des Amonfo. N'oublie pas qui tu es. Reste ferme. Sur ton destin. Garde tes épaules, os. Dans tous les combats. Combat avec moi. Je vais le battre. Je vais les écraser à main nue. Mais mère, père prête toute son attention à Ikenga. Il ne me regarde presque jamais. Mais toi. Ton père ne l'a jamais aimé. Il a préparé son trône. Au cas où quelque chose lui arrivait. À l'avenir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que il tu vas faire? Il n'y a rien que je puisse faire. Non, mais... tu dois l'éviter. Reste ferme. Ne prends aucune chose de lui. Ikenga avait été manipulé. Il veut faire de toi sa marionnette. Tu ne dois pas l'accepter. Désormais, tu n'as plus rien à faire avec lui. Voilà comme un pire ennemi. Est-ce que tu comprends? Oui, mère. Je me fais comprendre. Oui, mère. Et pourquoi pas Akweke? C'est juste que... Akweke n'est pas celle que je veux. Mais tes parents la veulent pour toi, non? Elle a commencé à s'intéresser à toi même avant qu'elle ne perde ses parents. Écoute-moi, Chuka. Chuka, s'il te plaît, écoute. Nous sommes venus ici pour chasser. Nous ne sommes pas là pour parler d'Akweke. Tu viens à peine de le dire que c'était la fille que mes parents veulent. Et non moi. N'ai-je pas le droit de suivre mon propre cœur? Tu as raison, mon prince. Dieu merci, tu le sais bien. Mais alors, Chuka, il y a quelque chose qui vient à peine de me traverser l'esprit. Je veux dire, quelque chose de mystique s'est passé. Pendant que je venais te voir, j'ai entendu une voix féminine qui appelait mon nom. Une voix toute fine. Je pouvais clairement écouter cette voix. Mais de qui, mon prince? Ça, c'est ce que je n'arrive vraiment pas à comprendre, mais je suis sûr que ce n'était pas une hallucination. J'ai clairement entendu mon nom. Eh, mon cher. Tu as entendu quelque chose? Chuka. Qu'est-ce que tu vois? Regarde-la. Elle est vraiment belle. Mon prince.
Je peux clairement la voir. Il n'y a personne ici. Tu colles à quelqu'un. Attends-moi, j'arrive. Je veux revenir. Non, mon prince. C'est mon devoir de vous protéger. Obodo, je veux revenir. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Mon prince. Mon prince. Mon prince. Mon prince. Mon prince. Je vais le surveiller. Agape, il faut que tu voies cette fille. Elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment très belle. Ma prière et mon souhait est que je puisse la voir une prochaine fois. C'est vrai? Alors où est-elle? C'est ce que je ne peux pas expliquer honnêtement. Je ne peux pas. Honnêtement, je ne peux pas. Tout mon souhait est de la voir une autre fois. Bien. Dans ce cas, je suis sûre que tu vas la revoir. Tu penses? Ouais, je le pense. Oh, Adadi. Tu es vraiment une très bonne personne. Tant que c'est un humain, tu vas la revoir, ok? Merci. Tu es une vraie amie. Je te dis vrai. Ne dis pas ça. Le festival de la danse va commencer bientôt. Je l'attends impatiemment. Et je prie pour que tu puisses trouver la femme de ton cœur. Je prie que je trouve une bonne femme, maman. Toutes les femmes sont belles et attirantes. Mais c'est comme je le disais. J'ai prié pour que tu puisses trouver la bonne. Pour que ton père soit content. De là c'est pas vrai, trouve. Mon Dieu. Mon prince, Qu'est-ce qu'il y a, Indo? Bonjour, ma reine. Des hommes ont attaqué nos femmes dans le champ pas si loin. Quoi? Non. Non. Où sont-ils? Calme-toi. Laisse les gardes partir. Ozo, viens avec moi. Haruka, la princesse de Hakugo, notre royaume. Tu es majestueuse et plus belle qu'une déesse. Et tu sais quoi? Je suis ici, comme d'habitude, pour te faire jouir comme aucun homme ne l'a et ne le fera jamais. Je suis vide sans toi. À chaque fois que je pense que tu as rempli mon monde, tu as rempli mon cœur, et aucun homme ne m'a touché comme toi. Alors emmène-moi au ciel comme tu le fais. Comme tu le fais. Ah, tu es le meilleur. Ah.
Je suis sûr, tu aimerais bien que nous puissions continuer ainsi. Je sais que tu aimerais que mon lion étanche sa soif dans ta rivière pour un plaisir infini et pour une joie éternelle entre tes jambes. Tu me veux? Oui, je te veux. Je te veux. Haruka, j'ai une petite demande à te faire. Quelle demande? Dis-moi, je suis là. Je donnerai tout ce que tu veux, peu importe où. Parle, s'il te plaît. Haruka. Oui. Je veux t'épouser et devenir le roi de ce royaume à Abugu. Quoi? Tu m'as très bien entendu, ma chère. Et c'est tout ce que je veux venant de toi. Tu as perdu ta tête. Écoute, Dike est le roi en devenir. Et très bientôt, il sera couronné roi. Et c'est la raison pour laquelle tu es une princesse. Exact. Tu es capable de n'importe quoi. Exact. Fais de moi ton roi. Et je vais te faire jouir tous les jours de ta vie. Jamais. Reviens. Haruka. Non. J'obtiens toujours ce que je veux. Je suis le prochain roi de ce royaume. Ebele, Bien, sors, viens. Ebele, as-tu entendu? Entendre quoi encore? Toi, tu entends toujours. Qu'est-ce que tu as encore entendu? J'ai entendu que le prince est en train d'ignorer la toute-puissante Akweke. Ce n'est pas vrai. Comme si ce n'était pas suffisant. J'ai encore appris qu'elle est suivie partout. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, regarde-moi. Hey! Et la vérité est que le prince ne lui prête pas attention. Il ne l'aime pas et il la déteste. Hey, hey! Dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Ah. Pourquoi tu te comportes comme si tu n'es pas dans ces villages? Je suis au courant de rien. Je suis contente. Je suis contente. Tu sais pourquoi? Parce que cette soi-disant Akweke est très arrogante. Elle agit comme si elle était la seule jolie fille dans ces villages. Mbeke. 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 Je t'ai appelé combien de fois? Tu détestes juste la fille. Tu la détestes sans aucune raison. Akweke est jolie. Tout le monde sait que Akweke est très belle. Tu essaies de dire que je ne suis pas belle? Regarde-moi bien. Prends le temps de me regarder. N'est-ce pas que je suis belle? Toi, belle? Qui t'a dit que tu es belle? Tant comme ça, je ne suis pas belle. Tu es belle comme ça? S'il te plaît, ne m'insulte pas. C'est parce que j'ai accepté de me faire amie avec toi dans ce village que tu me traites comme ça. Belle s'il femme. Te plaît. C'est toi qui es belle. Tout ce c'est que tu sais faire, le commérage, n'importe quoi, c'est moi, c'est tout ce que tu sais faire.
mais très jolie jeune fille. Je vous salue. Igwe. Comme vous le savez très bien, Akwae qui est ici présente est l'une des plus magnifiques et respectueuses jeunes filles de notre village aux femmes. Et son père était l'un des plus braves guerriers que nous avions eu dans ce royaume. Et j'avais alors promis à son père que mon fils Sikenga l'épouserait. Et je veux que toutes puissiez la respecter et l'aimer aussi. Étais-je bien assez clair? Oui, Votre Majesté. Je vais le répéter. Étais-je bien assez clair? Oui, Votre Majesté. Tu as envoyé un message à travers ta servante que tu voulais me voir. Je oui. suis là. Oui, chérie. J'ai besoin de toi. Et que tu ris. S'il te plaît. Tu n'as pas envie de moi? Ne fais pas comme si tu ne savais rien. Je ne comprends pas. Haruka. M'aimes-tu pour de vrai? Aucun homme, même pas une femme, ne peut m'arrêter de t'aimer. Alors tue-le. Oui. C'est mon frère. Je sais. Je suis celui que tu aimes. Je suis celui qui te fait jouir aussi longtemps que tu le désires. Sans moi, tu es bien vide. Pourquoi ne le comprends-tu pas? Fais-le d'abord. Et comme ça, je pourrais te... Oh. Mais lâche-moi! Écoute-moi. Mais quelle audace! Écoute-moi. Tu dois réfléchir sur ton attitude récente. Tu t'es vraiment trop amusé. Je veux dire, tous ces jours, quand tu me vois, tu passes sans me saluer. Moi, ton grand frère. Ça arrive jusqu'à ce point, Zulu. Tu ne me prives pas seulement de ma liberté, mais tu veux également m'apprendre de qui est qui respecter. Je vois. Zulu, est-ce que tu réalises vraiment que je suis Ikenga? L'héritier de ce trône! J'ai bien le droit de respecter qui je veux et je me fous complètement de qui tu es et ce que tu veux. Parce que pour moi, tu n'es rien du tout. Maintenant, laisse-moi tout de suite. Ce garçon a finalement perdu la tête. Mais je te promets ceci. Je vais arranger tout ça. Bientôt. Salutations, ma reine. Salut. Le repas est servi. D'accord. Mes salutations, ma reine. Oui, bonjour. Où est la princesse? Ma reine, elle est retenue par le prince. Partez.
Pourquoi es-tu si méchante? De quoi parles-tu, maman? Je vais te dire une chose. Que tu le veilles ou pas, tes plans ne réussiront jamais aussi longtemps que je serai en vie. Quel plan? Haruka, n'essaye surtout pas de stopper ton frère. Parce que ça te plaise ou pas, ce trône est à lui. Et laisse-moi t'avertir encore, Haruka. Reste loin de lui. Donc, c'était elle. D'accord, on va voir. Tu es mon cœur et je te veux. Viens. 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 Mais où es-tu? Je veux bien te voir. Mais mon esprit me dit que tu es la belle jeune fille que j'ai vue autrefois. S'il te plaît. S'il te plaît, montre-toi. Je sais bien que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Approche. Avance. Je suis là. Viens. Approche-toi d'ici. Est-ce que tu m'entends? Écoute, je sais que tu peux bien entendre ma voix. Et tu dois te cacher quelque part. S'il te plaît, je veux vraiment te voir encore. Mon esprit me dit que tu es la belle jeune fille que j'ai vue autrefois. S'il te plaît, laisse-toi être visible. Oh, Obi. Ijele, Ijele, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux avoir chez moi? Obi, j'ai besoin de ton cœur. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donc tu penses que moi, Akweke, je vais m'engager à un chasseur comme toi? Ça sera pas possible, même dans un rêve, je veux me réveiller. Obim, l'amour ne regarde pas tout ça. Et quand je te regarde, je vois l'espoir en toi. Je vois mon futur en toi. Tu es vraiment très jolie à chaque fois que je te... Oh, s'il te plaît. Garde ces mots pour celle qui va t'aimer, s'il te plaît, Ijele. Je refuse. Dégage sur ma route, s'il te plaît. Je me sens tellement fatiguée. Je crois vraiment qu'on devrait faire une pause. Sérieusement. Ah! Aïe! Désolée. Aïe! Désolée, ma belle. Je suis vraiment désolée. Ok? Désolée. Essaye de te lever. Aide-moi à me lever, s'il te plaît. Oh.
Tiens-moi. Désolée. Oui, lève-toi. Oui. Hey, je n'ai pas compris comment je suis arrivée par terre. Hein? Comment je me suis heurtée? Désolée. Oh. Comment je suis arrivée par terre? Mais ça va quand même. Toi, si tu vas bien. Hein? Ok. Oh, laisse-moi t'aider. Tente ça. Non, ça va, laisse-moi c'est faire. Bien. Laisse-moi faire. Je dois juste me changer. Oh, d'accord. Mais ça. Allez-y doucement. Oui, ça. Oui, oh. Désolée, en tout cas. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais me changer. Je vais me changer. Allons-y. Commençons à partir. Oui, comme ça. Dis-moi, depuis combien de temps tu es ici? Mon prince, voulais-tu que je regarde cette sorcière te voler dans mes mains? Je suis celle qui a été choisie pour toi. Je ne la permettrai Akweke, jamais. Akweke, peux-tu arrêter avec cette histoire de choisir, je sais, hein, de l'amour, je sais pas quoi? Combien de fois dois-je t'expliquer que je ne t'aime pas? Mais de quelle façon veux-tu que je le dise encore? Mon prince, mais moi je t'aime, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça, c'est à cause de Oya. Akweke, est-ce sorcière. Que tu sais que tu te déshonores maintenant là, hein? Pourquoi tu t'agenouilles? Mon prince, mon écoute, prince, écoute, s'il te écoute, plaît. Écoute, je vais te dire quelque chose. Écoute, cette fille, tu es vraiment une très belle femme. Je ne discute pas le fait que tu es vraiment très belle. Mais mon cœur n'a pas d'amour pour toi. Comprends ça et passe à autre chose. Mon prince, tu arrête de te pas. Décevoir avec cette histoire là. Mon prince. Je peux faire quelque chose s'il te plaît, je vais aller à la maison. Mon prince. Ok, je peux passer. Je peux faire. Je peux passer. Chose. Ne me tourne pas. Je ne sais même pas pourquoi je passe mon temps à te demander la permission. Mon prince. C'est bien toi, n'est-ce pas? Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. C'est toi la fille qui a appelé mon nom. C'est toi, n'est-ce pas? Aide-moi. Mon prince, reste loin de mon homme. C'est une sorcière, mon prince. Tu ne le vois pas? Mon prince, qu'est-ce que tu cherches à faire? Mon prince, qu'est-ce que tu veux faire? C'est une sorcière. Ah, oh mon Dieu. Merci. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, ok? Merci. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Bien sûr. Mon prince, elle est en train de t'envoûter. Mon prince, ne le vois-tu pas? C'est une sorcière. Tu es une sorcière. Mon prince!
Mon prince. Tu es profondément pas bien. Il faut que tu restes un peu ici. Ok? Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Olua. Ton roi. Tu es le fils de Okocha. Tu es le lion de ton peuple. Oh, vraiment? Comment connais-tu mon nom? Et comment sais-tu tout cela? J'ai la connaissance sur toutes choses. Alors c'est toi? La voix qui est appelée... Qui appelait mon nom? Alors c'est toi? Je ne sais quoi vous dire. Puisque ma demeure est loin d'ici. Je t'ai apporté la paix, le bonheur et l'amour. L'amour. Je n'arrive pas à comprendre. Suis ton cœur. Ne te laisse pas tromper. Alors, tu es venu pour que je trouve l'amour. Dis-moi où il se trouve alors. Suis ton cœur. Je t'appellerai plus tard. Maintenant, rentre chez ton peuple. Non. Va chez ton peuple. Akweke, ne me dis pas que tu es toujours fâché à cause de ce qui s'est passé tôt la journée. Olochi, le prince est le mien. Le prince est vraiment le mien. Mais il est déjà à toi. C'est ce que je sais. Mais j'ai un intrus maintenant. J'ai un intrus. Qui? Quelqu'un qui veut prendre mon prince. Oria, ou peu importe qu'on l'appelle, ça m'est égal. Mais tu sais quoi? Quoi? Je dois la confronter. Moi, à quoi que je vais la confronter et la ramener d'où est-ce qu'elle provient? Je t'y crois. La tigresse appliquée. Oria. Oria! Oria!
ton frère va bientôt choisir une femme. Et s'il le fait, cela fera... cela... Calme-toi. Il ne va rien faire. Et même s'il le fait, il ne sera jamais, jamais roi. T'inquiète, je te verrai après. Notre terre a vraiment de très jolies jeunes filles. Mais je ne choisis personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne sais-tu pas que tu as besoin d'une femme pour être couronnée roi? Mais maman, aucune d'entre elles ne répond vraiment à mes critères. Alors dans ce cas, quel genre de femme veux-tu? Cette femme n'est pas de ce royaume. Je dois vraiment aller ailleurs pour la trouver. Ailleurs? Oui, maman. Tu n'as pas entendu la dernière? Écoutez encore quoi, ma chérie, tu exagères. Dis-moi c'est quoi? Te rappelles-tu de cette fille qui avait tenu tête à Kweke l'autre fois à la rivière et l'avait remis à sa place? D'après les rumeurs qui circulent, le prince court après elle. Hey! Ne dis pas ça. Comme si ce n'était pas suffisant. Le prince a carrément abandonné à Kweke. Il ne la regarde plus. Ce n'est pas vrai. Ah, mais cette fille n'habite pas ici. Personne ne la connaît ici. Elle pourrait aussi être une sorcière. Mais le prince ne se soucie pas de ça. Quand il y a l'amour, les restes importent peu, même s'il est une sorcière. Mbeke, je sais que tu es très contente parce qu'Agweke a perdu. Je suis très, très contente parce qu'elle a perdu. Obia, tape-la, ma belle. Et vous vous croyez meilleure, hein? À qui est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Je me demande. Je m'adresse à vous deux, bien sûr. Tout ce que vous faites dans ce village, c'est seulement le commérage. Et aussi, qui va épouser qui et qui ne va pas épouser qui? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Hein? Quelle question stupide! Quelle question? Ah, pourquoi est-ce que tous les vaillants hommes de ce village, comme nous, ne viennent jamais demander votre main en mariage? Hein? Greg, l'as-tu entendu? C'est juste parce que vous êtes trop moche. Est-ce que tu t'entends vraiment trop bien? Trop moche! Okorobia! Okorobia, regarde mes yeux, ils sont grandement ouverts. Avant que je ne le ferme et les ouvre à nouveau, Okorobia disparaît! Bien sûr que oui! Okorobia, disparaît! J'étais en train de partir! J'étais en train de partir! Disparaît, Okorobia! Disparaît!
Ijele. 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 Ah, ah. Ah, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as beaucoup cherché. Oui, je n'ai pas cessé de t'appeler. Mais apparemment, tu es perdu d'ici. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ah, mon cher. Trop de problèmes. Ijele, mon frère. Tu n'arrêtes jamais de te blâmer. Tu dois essayer de voir plus loin. Ah, mon cher. Mets-toi, viens d'abord te mettre. Né, nous devons faire quelque chose pour notre ami, Oli. Né, elle est très orgueilleuse. Le pire dans ça est qu'elle n'accepte pas des reproches. Mais elle est toujours notre amie, hein? Ça m'est égal. Elle se prend pour la plus belle de nous toutes. Devant ses yeux, nous sommes minables. Ce n'est pas vrai. Ouvre tes yeux. Ma! Hey, oh, ami, ami! Ami! Oh, je suis ravie de te voir. Ça va? Vous n'allez pas croire ce que le prince m'a dit. On t'a finalement reconnu. Bien sûr. Mais il m'a dit que son cœur est quelque part. Mais ça, c'est pas un problème, oh. Il m'a dit que son cœur n'appartient pas à Kweke. Alors où? Donc, tu sais bien comment notre culture et notre tradition fonctionne. Oui, je sais, bien sûr. C'est pas quelque chose oui. que je vais t'expliquer. Mes salutations, ma reine. Salut. Tu sais, Dike. Maman. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Parce que je ne veux pas que les gens découvrent ma vraie identité. Fils, je te connais bien. Je sais que quand tu as un projet derrière la tête, tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu le réalises. Mais la cause de cette... Et c'est quoi même cette cause? Comment peux-tu en être sûr? À propos, où est-ce que tu te rends? Je me dirige vers Amafo. Amafo est très loin. Comment peux-tu être sûr que tu vas la trouver là-bas, dès lors que tu n'as choisi personne ici, même pas une? Maman, tu t'inquiètes beaucoup. Permets-moi. Je sais ce que je fais. Petite sœur, je reviens. Oui. Rassure-toi de bien prendre soin de maman et du royaume pendant toutes mes absences. Je le ferai. À propos, je n'ai pas entendu ou vu la servante Edjemili. Oh, il était avec son amoureux hier la nuit, pendant que tout le monde dormait. C'est depuis longtemps que je t'attendais. Je ne sais pas ce qui t'a retenu jusqu'ici. Ouria, je viens te dire de rester loin du prince. Loin du prince, puisqu'il t'aime. C'est ce que tu veux dire? Parce que j'ai été choisie pour le prince. Le prince a un choix à faire et à quoi que tu n'es pas son choix. Ouria, c'est mon dernier avertissement. Reste loin de mon prince. Tu n'as aucun droit ou un pouvoir de m'avertir, Akweke. Ekenge est à moi. Je vais le serrer dans mes bras. Il va sucer mes seins. Peux-tu m'écouter, sale sorcière? Mon Ekenge ne descendra pas si bas pour épouser une femme qui n'est pas de ses royaumes.
Tu n'es pas de cette terre, alors mon homme ne va pas t'épouser. Tu m'as très bien compris. J'ai brisé ce lien en venant ici. Sois prête, puisque tu seras en train de me voir de temps en temps. Je vois. Alors écoute-moi bien. Ça, c'est mon dernier avertissement. Le prince ne sera pas le tien. Je me suis fait comprendre. Comment oses-tu? Comment oses-tu, Akweke? Le prince est à moi, et moi seule. Tu as longtemps cherché l'amour. Tu ne l'as pas trouvé. Tu vas continuer à pleurer. Pleurer comme un bébé, jusqu'à l'infini. Comment oses-tu? Comment oses-tu? N'ose plus jamais, n'ose plus jamais, Akweke, d'élever ta main sur moi. Sinon... Sinon... Sinon quoi, Oria? Sinon, tu ne vas rien me faire. Tu mourras. Lâche-moi. Toi aussi, tu étais où? J'ai essayé. Où étais-tu pour intervenir tout ce temps? J'ai essayé. N'importe quoi. Hein? N'ose pas me suivre. Non. Reste là, ne me suis pas. Je suis désolée. Ne me suis pas. Non, maman. C'est trop né pour moi. Ça m'appartient. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Je serai la reine et mon mari sera le roi. Ton mari? As-tu parlé de mari? Aruka, tu n'es pas mariée. Même si c'était le cas, cet homme ne sera jamais le roi. Mon fils dit que c'est... Je ne peux pas le permettre, maman. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Aruka? Non, ça c'est pas ma fille qui parle. Sais-tu ce que ça veut dire aller à l'encontre de notre tradition? Ça m'est égal. Le trône m'appartient. Zulu, mon frère. Nous avons vraiment été distants l'un de l'autre. Et cela me fait vraiment mal. Il faut que tu arrêtes ce que tu fais là. Cela me fait vraiment très mal. Il faut vraiment que tu arrêtes ce que tu fais là. Et soyons unis comme de vrais frères. Peu importe. Il y a quelque chose qui me dérange. Et il n'y a personne à qui je peux parler. J'en ai parlé à notre père. Mais il n'a pas l'air de bien comprendre. Bien, ça concerne Uria, la femme que j'aime pour de vrai. Dis-moi ce que tu en penses. Tout ce qui te concerne, toi, je n'y suis pas intéressé. Oh Zulu, allez, mais pourquoi tu es en train de faire? Ce n'est pas le moment de faire ça. Mais pourquoi tu me détestes comme ça? Oh, tu veux le savoir, c'est ça? C'est parce que tu as appris absolument toutes choses de moi. Tu es le seul fils que père connaît. Mais qui a dit que notre père ne reconnaît que moi? Il nous aime de manière égale. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il prouve. Il ne s'occupe que de toi. Zulu, tu parles vraiment comme un enfant. Écoute-toi un peu. Mais dis-moi comment un père peut détester son propre fils. Ce n'est pas possible. Bien, je vais... J'en parlerai à notre père. Il n'y a rien dont tu peux parler avec lui. Oh, comme si ce que père faisait n'était pas assez. Tu veux me ridiculiser en allant lui dire de pouvoir me reconnaître maintenant? Je te hais encore plus, Ikenga. Zulu, veux-tu arrêter ce que tu fais, hein? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je veux que tu saches une chose. Le sang, dit-on, est plus épais que l'eau. Pense-y bien. Ça ne me regarde pas. Mais alors, Uria, mais pourquoi tout le monde pense qu'elle est maléfique? Qu'est-ce qui est vraiment maléfique chez elle? Uria est-elle vraiment maléfique?
Ikenga. 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 Viens. Je suis là. Viens, Ikenga. Je suis là. Mais où es-tu? Viens, Ikenga. Viens. Qui es-tu? Il y a ceux qui suivent leur cœur et ceux qui ne trouvent pas l'amour toute leur vie. Je demande, qui es-tu et qu'est-ce que tu veux? Je suis la mère du royaume du néant, du royaume de l'ombre, du royaume des quatre esprits. Je ne sais pas de quoi tu parles. Que veux-tu dire? Ouria! Et celle que tu aimes. Suis-la et oublie le choix de ton père. Tu connais Ouria? Que sais-tu la concernant? Ton père veut te séparer d'elle. Ton cœur désire son cœur. Tu dois suivre ce que te dit ton cœur. Va à la rivière Amago, la rivière du chagrin. Pars. Je fais la poursuite d'une ombre. Oublions ma beauté incontestable. Mais plus jamais, je me suis rabaissée trop bas. Je dois rehausser mes épaules de nouveau comme la plus belle de cette terre. Je ne dois pas perdre espoir. De belles choses devant moi. L'avenir me réserve plus. Olé! 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 Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis surtout pas que tu continues à penser au prince. Non, maman. Non. Maman, non. Es-tu sûre? Allons à l'intérieur, ma fille. Suis-moi, s'il te plaît. Sois calme. Entrons, ma fille. C'est pourquoi j'attends toujours des nouvelles. Votre Majesté, oui, je l'ai cherché partout, mais il n'y a nulle part où le trouver. Que veux-tu dire? Que tu n'as pas trouvé Ikenga dans sa chambre?
Désolé, mon roi. Mais où est-ce qu'il peut bien être? Obodo, il groupe des guerriers et allez le chercher. Ai-je été assez clair? Oui, votre majesté. Et tu connais les conséquences de ton retour ici sans lui. Mon roi, calme-toi. Si il arrive qu'il ne soit pas retrouvé, ton fils... Je t'interdis de parler de cette manière. Donc tu veux que Kinga meure? Non, 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 mon roi. C'est juste que... Sois prudent. Je vais être réaliste. Alors choisis tes mots. Je suis désolée. C'est juste que... Mon prince! Mon prince! Mon prince, où es-tu? Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Pareil que moi. Je suis fatigué. Écoute, on doit retourner et aller dire au roi qu'on ne peut pas retrouver le prince. Et d'ailleurs, on ne le voit pas. Non, c'est impossible, mon frère. C'est impossible. Oh, as-tu oublié ce que le roi nous a dit? Il a dit que ce soit le prince ou bien nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Soit c'est le prince. Soit c'est nos vies. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. Oduma, nous n'avons pas d'autre option que celle de continuer à chercher. Continuer à chercher. Si tu le dis, continuons la recherche. Sinon, je suis fatigué. Moi aussi, mais je suis fatigué. Il n'y a pas d'autre choix. Allons-y seulement. Mais nous devons y aller. Notre vie en dépend. Mon prince! Mon prince! Où es-tu? Ah! Le roi veut te voir! Mon prince! Mon prince! Mon prince!
Mon prince! Mon prince! Mon prince, répondez-moi! Je vous prie, on doit rentrer à la maison. Mon prince! Je vous prie, répondez-moi! Où es-tu, mon prince? C'est moi, ton guerrier favori. Je t'en prie, réponds-moi. Mon prince! Je vous prie, vous m'entendez? C'est moi et nos femmes. Où es-tu, mon prince? Je vous en prie, mon prince. Venez, retournons à la maison. C'est moi, mon prince. C'est moi, ton guerrier préféré. Mon prince, t'en prie, réponds-moi. Allons à la maison. Tout va très bien. Je vous prie, allons-y. Tu m'as trahi, Ruka. Oui, tu m'as trahi, Ruka. Tu sais ce que ça veut dire? Ton frère reviendra ici, avec sa fiancée. Et quand il reviendra, il s'emparera du trône. Et que dire de notre amour? Qu'est-ce qui va arriver à notre amour? Rien du tout. Nous allons perdre. Oui. Vas-tu rester assise là et regarder toutes choses? Tout ce dont tu t'es battu, tomber juste devant tes yeux? Réponds-moi, Ruka. Tu es sourde? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire pour m'avoir, moi? Pour toi seul? Pour toujours? Mère, dis-moi que c'est une blague. Quelle blague? Ce que ton père m'a dit, c'est exactement ce que tu as entendu. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Rien. Mais tu dois aller chez lui et lui expliquer tout ce qu'il faut. Mais comment ça, mère? Il pourrait ne pas me croire. Et même si je fais ça, Ikenga est encore dans le coin et tu sais bien ce que ça veut dire. Ikenga ne peut pas faire ça. Ou encore, tu peux lui dire... viens, approche. Oh oui, c'est bien fait. Ok, je vois. Comment suis-je maintenant? Tu es très belle. Suis-je belle pour mon prince? Oui. Je n'ai pas emmené les miroirs. Mais je crois que je suis très belle. Ok. Tu ne croiras pas ce que mes oreilles ont entendu. Qu'est-ce qu'il y a, Mesoma? Tu entends toujours des choses. Akwoke, le prince. Mon prince, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le prince a disparu. C'est faux. Je sais que tu me mens. D'ailleurs, ça, ce n'est rien. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est mort. Mon prince, mourir? Comment? Il est allé à la recherche de cette fille. C'est évident qu'elle l'a amenée dans le monde des esprits où elle appartient. Attends. Oura. Quelle fille? Ouya. Hey, mon Dieu, mon prince, oh, où es-tu? Attends. Les anciens de notre terre. Sa Majesté. Ceci est un problème très très sérieux. Que... Je vous salue, Majesté. Obiago, parle. Majesté, nous avons cherché partout. Personne n'a trouvé la prêtresse. Eh? Quoi? J'ai cherché partout, mais elle reste introuvable.
Un trou quoi? Hein? Perdu? Introuvable? Abomination! Je vois les anciens de notre royaume. Avez-vous entendu ce que Obiago vient de dire? Les yeux des dieux, toujours introuvables. Vraiment? Depuis que cette fille, au nom d'Uria, est venue dans ce royaume, nos vies n'ont plus été les mêmes. Franchement? Plus jamais. Est-ce que c'est vrai? Sa Majesté, les rois lions d'Amafo, que ton cœur ne te dérange pas. D'ailleurs, dans ce royaume, nous n'allons pas enterrer nos enfants. Ce sont nos enfants qui vont nous enterrer. Je crois toujours que Ikenga est en vie. Ikenga, toujours en vie. Alors si Ikenga est toujours en vie, où est-il? Où est-il? Non. Afin qu'on le voie. Non. Votre Altesse, il n'y a que les dieux qui puissent répondre à ce genre de questions. Il n'y a que les dieux. Il n'y a que les dieux. Quand une chèvre se met à rire, sachant que le lion arrive, quelqu'un doit chercher à savoir quel genre d'herbe elle a eu à consommer. Puisque vous vous êtes tous demandé s'il y a eu une aventure entre eux et qu'il a couché avec elle. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Ichokonko, il y a toujours un sens et un non-sens. Il peut y avoir une dose de vérité dans ce que Ichopout est en train de dire. Mais gardons juste silence jusqu'à ce que le dieu nous réponde. Mais moi, personnellement, je crois que Ikenga reviendra ici. Oui. Voyons ça. Je vais attendre. Akweke, mon ami. Tu sais que je peux faire le tour de ces royaumes pour toi. Je n'aime pas te voir triste. Je n'aime pas te voir pleurer. Mais Soma, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je viens de te voir à la maison, s'il te plaît. Mais tu je pleures. Je veux rester seule. Est-ce que je pleure avec tes yeux, Mesoma? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Akweke, nous sommes des amis. S'il te plaît, pars. Je veux rester seule. Akweke, que je parte? Je dis pars. Que je parte, Akweke? Oui, pars. Akweke, je m'en vais. Mesoma, peux-tu quitter ici maintenant? Je m'en vais. Tu veux pas partir? Akweke. Pars! Va-t'en! Qu'est-ce que c'est ça? Akweke. Tu pensais qu'on allait plus nous voir. Mais pourquoi tu m'évites autant, hein? Ijele, regarde-moi très bien, de la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi je ne peux pas trouver quelqu'un qui va m'aimer réellement? Pourquoi c'est difficile pour quelqu'un d'aimer ma personne? Ah, Akweke, tu te trompes. C'est moi. Tu sais, je t'aime beaucoup, hein? Et je suis très amoureux de toi. Mais sauf que tu ne me donnes pas cette occasion de t'aimer, comme je le pense. Ijele, fais-moi une faveur. J'aimerais un peu écouter les sons de la flûte. Ma tête est trop chargée. J'aimerais un peu écouter la musique. Peut-être que ça va me détendre, s'il te plaît. Ok. Père. Mon père, regarde-moi. J'aime cette fille, vraiment de tout mon cœur. Je l'ai cherchée vraiment partout. Mais je n'ai pas pu la trouver. Je ne pense pas qu'elle t'aime. Non, mon père, ne me dis pas ça. J'aime beaucoup cette fille, papa. Elle signifie le monde entier pour moi. Bien, elle pourrait être morte. Non, papa, elle n'est pas morte. Oui, elle ne peut pas être morte. Ce n'est pas possible. Comment le sais-tu? Parce que c'est ce que me dit mon esprit. Je le sens. Elle peut être en danger. Né. Ma fille, comment vas-tu? Né. Oh, mon fils, bienvenue. Né, je te présente Dike. Dike, voici ma mère. Mes salutations, maman. Mm-hmm. Merci. Dike vient de très loin. Il vient de... Amogo. Sois le bienvenu. Merci. En quoi puis-je t'aider? Maman, je viens d'un royaume très loin. J'ai juste besoin d'un endroit pour me reposer. Tu es le bienvenu. Merci. Je quitte demain matin.
Viens. Bon, viens, je te montre là où tu vas mettre ton sac. Merci beaucoup, maman. Merci. Que les dieux vous bénissent, maman. Je suis très contente pour toi, mon fils. Merci, maman. Sois les bienvenus. But we forget one thing, which is faith. Faith and destiny can never be twisted. Can force a horse to the river, you can make it drink, not at all. Be careful the way you're in your own world, 'cause you can decide your own fate. Onye malobi chukwu, onye malobi namo. Who knows the mind of God? Who knows the mind of God? Ega gachukwu niru, imanga chukwu niru. It can only try, it can just try. It can pull the mountain, but it can change your fate. Oya! 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 Fiston! Ikenga! Pourquoi étais-tu en train de crier? As-tu eu un mauvais rêve? Papa, j'ai vu Oya. Oya est en vie. Je l'ai vu. Je pouvais entendre l'écho. Très clairement. Ce n'est sûrement qu'un rêve. Non, mon père. Ça, ce n'est pas un rêve. Si Oria était encore en vie, elle serait revenue vers toi. Non, non, mon père. Je me pose moi-même des questions. Mais je l'ai bien vue. Je sais ce que j'ai vu. Elle est vivante. Je l'ai vue. This life, we do a lot of things just to claim, just to possess. But we forget one thing, which is faith. Faith and destiny can never be twisted. Can force a horse to the river, you can make it drink, not at all. Be careful the way you're in your own world, 'cause you can decide your own fate. Onye malobi chukwu, onye malobi namo. Who knows the mind of God? Who knows the mind of God? Ega gachukwu niru, imanga chukwu niru. It can only try. Oli. Oui. Les gens que t'ont vu là sont très gentils. Je pense que votre Igwe, le lion d'Amafo. Et tu sais que il a vraiment très bien pris soin de mes gardes pendant qu'on était au palais.
C'est pour ça qu'on l'appelle le lion d'Amafo. Je vois. Waouh. Nous allons bientôt nous revoir. Et c'est dans les 4 prochains jours qui arrivent, comme l'a dit le roi. Mon peuple deviendra le tien. Nous allons commencer à manger ensemble. Nous allons vivre pour toujours. Tiki, je te verrai plus tard. Pars, ne reste pas planté là. Umma. Quelle surprise! Tu te rappelles de mon nom? Oh oui, bien sûr. Oli n'est pas bonne pour toi. Elle est possédée. Elle a la sorcellerie. N'importe quel homme qui s'approche d'elle devient rude. Mais vous êtes supposé être des vrais amis. Elle est possédée. Elle cherchait à sortir avec le prince Ikenga, mais ses plans avaient échoué. Je vois comme si elle veut faire la même chose avec toi. Non, même pas. Umma, je ne crois pas à tes mots. Viens. Viens avec moi. Viens avec moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Alors, écoute-moi très bien. N'ose plus jamais. N'ose plus jamais un jour me toucher encore. Vraiment, c'est toi la sorcière. Mais tout ça signifie quoi? Mon prince. As-tu perdu tes sens? Mon prince, le Igwe nous a laissé l'instruction de ne pas vous laisser sortir. Laisse ma fille passer! Est-ce que tu tiens vraiment à ta vie? Vas-y, bouge de là! Ikenga! Je leur ai demandé de ne pas te laisser quitter le palais. Tu n'iras donc nulle part. Pourquoi, papa? C'est bien mon instruction. Et elle doit être respectée. Où sont les autres gardes? Assurez-vous à ce qu'ils ne quittent pas le palais. Ai-je été assez clair? Oui. Oui, Igwe. Les yeux des dieux. Qu'est-ce qui vous est arrivé au juste? Laisse-le partir. Ikenga. Le même qui a disparu. Et qui essaie de s'embarquer dans un autre voyage afin qu'il disparaisse à nouveau? Mais qui a dit que j'embarque pour un autre voyage, mon père, hein? Je veux juste aller voir Chuka, mon ami. Laisse-le partir. Tu es vraiment fou. Tu veux que je te tue, hein? Fais attention, ok? La grande sage, pourquoi m'avez-vous demandé de le laisser partir? Laisse-le partir. Je vais le plonger dans un profond sommeil. Vraiment? Les yeux des dieux. Je suis toujours surpris de votre intelligence mystérieuse. Il est allé la chercher. Aha. Mais il rentrera sans pour autant la trouver. Oh oui, je vois. Il peut bien partir, mais il ne la trouvera jamais. Bien pensé. Ebélé, on aura tout vu dans ces villages. La nouvelle sur qu'il part tout dans le village. Mais que tu n'es pas sérieuse. Akweke est devenu le sujet des moqueries dans ces villages.
et le prince ne lui prête plus attention. Tu parles de Yakweke. Et alors toi-même? Comment ça? Veux-tu me dire que tu n'aimes pas Jele? Je vois comment est-ce que tu le regardes à chaque fois que tu as l'occasion de le rencontrer. Je vois comment est-ce que tu es folle amoureuse de lui. Oh. Ebele, Jele est un chasseur très fort et courageux. C'est vrai. Il est très passionné, calme et très beau. Je vois que tu l'aimes réellement. T'as raison. Tu es rempli d'amour pour lui. Ebele. Salut, Jele. Ngweke. Comment tu vas? Bien. Comment était le travail aujourd'hui? Bien. Bien. Ok. C'est Ijele. Salut. Est-ce que tu as besoin de... Tu as besoin de ça? Ah! Pour moi? Oui, c'est pour toi. Ijele, tu es très gentil. Je crois que je dois déjà partir. Oui. Salut ton village de ma part. Hein? Ok. Merci. Merci. Ebele. Je n'irai nulle part. Ainsi tu mourras. Oh. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois la trouver. Mais comment? Honnêtement, Chuka, je ne sais pas. Pour cet instant, je n'ai aucune idée dans ma tête. Mais je sais, de toute manière, par tout moyen, je dois la trouver. Je dois trouver mon amour. Et si elle est déjà morte ou bien peut-être rentrée dans son village? Alors, je mourrai avec elle. J'ai vraiment l'impression de rêver. Donc, je vais devenir une reine. Une reine! Je n'arrive pas à y croire. Ça ne sera jamais possible. Qu'est-ce que tu viens de dire? Dike doit être le mien. Hein? Ma, est-ce que c'est encore l'une de tes blagues ou quoi? J'ai pensé qu'on était des meilleurs amis. Il pense... que tu es la seule bonne personne pour lui. Il pense que tu es la seule qui peut le rendre heureux. Mais jamais. J'ai aussi envie de devenir sa reine. Et cela ne peut être possible que si tu meurs. Ma, je croyais qu'on était des meilleurs amis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Nous avons arrêté d'être des amis. Le jour où tu me l'avais montré. Mais plus jamais. J'avais toujours désiré d'appartenir un jour à la famille royale. Mais non! Tu veux ravir mon rêve. Tu me montres que tu es la plus meilleure. Mais avais-tu réalisé que ce serait aussi mon bonheur? Ma, ça ce n'est pas toi. Je pense que tu es possédé par un esprit maléfique. Tu dois aller dire à Dike que tu n'es pas du tout bonne pour lui. Que c'est moi qui suis bonne pour lui. Tu dois le faire. Et très vite alors. Sinon, et c'est de cette façon que je vais te pardonner. Mais...
me pardonner? Je ne t'ai rien fait de mal. Et écoute, je ne vais pas me rabaisser en acceptant ton offre. Dis qu'elle est à moi et à moi seule. Dis qu'il ne peut pas être le tien. Tu mens. Dis qu'elle est mienne. Tu mens. Ma, tu mens. Je vois maintenant ton vrai visage. Je ne l'ai jamais su. Tu faisais semblant d'être mon amie. Ah, ma, je n'avais jamais su que tu étais si méchante. Je m'en vais de ces pas au carrefour du village raconter à tout le monde combien tu es méchante. Et qui va te laisser le faire? Et qui va m'en empêcher? Ma, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de problème. Ma, lâche-moi. Ma, ah, arrête. Ma, ah, aïe. Non, ma, ah. Non. On ne devrait pas attendre. Non, non, Iruka, on ne devrait pas attendre. Écoute, mon amour, tu dois être patient. J'ai toutes les solutions en main. Écoute, mon amour, tu es ma raison de vivre. Tu es l'air que je respire. Ton toucher réveille toujours mon âme. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi, pour que je puisse t'avoir maintenant? Jure-le que tu feras de moi ton roi. Oui, jure-le. Est-ce que c'est tout? Je jure. Dis que ne va jamais hériter ce trône. Je te le promets. Mon fils, ça, c'est ton cadeau. Le peu que j'ai pu avoir. Merci beaucoup, maman. De rien. Toi et ta jolie fille, vous avez beaucoup fait pour moi. Merci. Salut ton peuple pour moi. Je le ferai et je prie que nos relations grandissent toujours et que le Dieu vous protège. Merci. Je ne veux pas que tu partes. Comme je l'ai dit, Oli, je prie que nos relations grandissent encore. Donc je dois partir. Je dois rentrer à mon village. Ma fille. Calme-toi. Prends courage. Ça va aller. Il ne faut pas pleurer. Prends courage. Maman, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je prie pour que le Dieu puisse ramener mon fils. Comme ça, tu auras la honte. Je souhaite qu'il ne revienne pas. Comment oses-tu? Mon prince! Mon fils. Je vais bien. Où est-elle? J'en ai trouvé. J'ai trouvé la femme à qui mon cœur appartient. Alors, où est-elle? Elle va bientôt nous rejoindre. Je dois rentrer la chercher et l'amener ici. Haruka, pourquoi tu ne viens pas accueillir ton frère? Haruka? Maman? Qu'est-ce qui se passe avec Haruka? Ignore ta sœur. Tu dois te reposer. Va à l'intérieur te rafraîchir le temps qu'on te trouve à manger. Va.
Mon prince. Oh. D'où est-ce que vous venez? Toute seule. Adadi. Adadi, je suis brisé. La seule femme que j'aime est partie. Elle est partie. Je doute que je peux encore la voir un jour dans la vie. Eya, ne vous découragez pas. Adida, je ne me décourage pas. Pas du tout. Je suis encore là. Mais juste que je m'inquiète. Je m'inquiète de si je peux encore la voir un jour. Je ne sais même pas où elle habite. Très bien, d'accord. Et même si elle revient ici plus tard, mon père ne l'accepterait pas. Elle ne serait pas acceptée dans ce village. Je crois que vous allez la revoir. Et juste... Ça, c'est mon plus grand désir. Ok, regardez juste le soleil. Ce soleil nous dit que toute chose, tout ce que tu veux et que tu désires, ça sera possible. Croyez juste en l'amour, ça ira mieux. Elle va revenir. Donc tu penses qu'elle reviendra un jour? Je crois, elle va revenir. Calmez-vous, ça va aller. Elle va revenir. Hein? Adadi, tu es vraiment une gentille personne. D'accord. Tu ne sais pas ce qui t'attend, Ikenga. Cet amour que tu cherches passionnément t'amènera à la mort. Tu ne régneras plus sur mon peuple. Elle t'amènera dans le monde des esprits loin d'ici pour ne plus jamais revenir, jamais mettre à tes pieds dans cette terre. Ainsi, quand mon mari, le Igwe Okorocha, s'endormira avec ses pères, personne ne sera prêt à succéder à son trône, si ce n'est mon unique fils, Zulu. Je t'avais vu au lit. Oli, comment as-tu osé? Je t'avais vu avec mon fiancé. Laisse-moi te dire ceci. Toi ou personne d'autre ne pourra me le ravir. Je me suis fait comprendre. Et qu'est-ce qui est amusant? Akwiki, s'il te plaît, arrête de me faire marrer. Oli, je t'avertis pour une dernière fois. Oli, reste loin de Ikenga. Je t'interdis pour que tu ne tombes pas sur mon piège. Oh? Akweke, je n'ai pas peur de toi. Écoute, laisse-moi te dire. Tu n'es pas son choix. Je vois. Et toi, tu l'es, Oli? Eh bien, non. C'est plutôt une autre personne. Trouve-la. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Oria? Comment est-ce que je peux oublier le moment où le roi m'avait fait ressentir comme une vraie femme? Je te dis franchement, je m'étais sentie comme une reine déjà. Pourquoi es-tu alors calme? Tu dois être contente pour moi. Akweke, tu es mon amie et tu le resteras pour toi. Tu sais que ça ne peut pas être vrai. Mais seulement de quoi parles-tu? Quelle vérité? Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'elle te dit. Pour moi, je pense qu'elle joue à l'hypocrisie. C'est pas vrai. Comment oses-tu? Mais seulement comment oses-tu penser de cette façon? Que je m'engage à n'importe qui? Un chasseur? Un orphelin qui n'est pas de la famille royale? C'est ce que tu penses pour moi? Akweke, ce n'est pas ce que tu penses. C'est le destin. Il n'a pas choisi d'être un chasseur. Ou un orphelin. Ce n'est pas nous qui décidons de l'avenir de nos parents. Ça m'est égal.
Moi, à quoi que je ne peux pas m'engager avec n'importe qui. Il n'y a que le prince. Est-ce que tu comprends que le prince n'a aucun sentiment pour toi? Mais ce n'est pas un problème. C'est mon devoir de faire à ce que le prince puisse m'aimer, même s'il ne m'aime pas du tout. C'est le prince. Je crois qu'il part chercher Avatli. Je dois le suivre. Ok. Mon prince, où est-ce que tu vas? Ne me dis pas que tu pars encore chez Adadi. Mon prince. Est-ce que tu réalises que je suis le prince de ce royaume et tu ne peux pas me poser des questions? Ça, je sais, mon prince. Mais j'ai été fiancée pour toi. Mon prince, je mérite aussi une attention. Ikenga. Ça doit être qui? Mon prince. Mon prince. Akugo. Igwe. Fais les préparatifs. Car il y aura une célébration dans mon palais. Mon mari, le roi et les lions de Amonfo. Si je peux demander, qu'est-ce que nous célébrons? Ouria. Ouria est morte. Morte? C'est pourquoi cela Comment? Demande une célébration. Ils sont allés la chercher là-bas. Même les archéologues ne pourront jamais trouver sa dépouille. Et elle ne reviendra plus jamais à la vie. C'est pourquoi cela demande une célébration. Oh oui. Ah bon? Donc, prépare. Car il y aura beaucoup d'amusement dans mon palais aujourd'hui. Oui. Non, non. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Le servante, j'ai besoin de rester seule. Oui, votre majesté. Mon fils sera couronné roi. C'est mon fils. Ikenga. J'attends ton retour. Ikenga, je t'attends en retour. Mes salutations. Ah ah, Matoma. Andadi Kegime. Mes salutations, mon prince. J'aime bien ça. Que j'aime bien mon fils Ikenga. C'est toujours bon de le voir si heureux et si joyeux. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je ne le comprends pas. Mais tu sais, c'est vraiment bien que je passe du temps avec toi. En tout cas, ça me détend, tu sais, ça me fait oublier certaines histoires que j'ai dans ma tête. Oui, c'est vraiment vrai ce que je te dis. C'est merveilleux de me promener avec toi comme ça aujourd'hui. C'est pas vrai. Mais je te dis la vérité, pourquoi tu penses que je mens? Je te dis la vérité, toi tu es mon ami et tu m'aides beaucoup. Surtout les temps que nous passons ensemble pendant que j'ai des soucis. Mm-hmm. Mais pourtant, moi je te dis la vérité, hein? Pourquoi tu me crois pas?
Tu es vraiment très belle. Oui. Il n'y a pas de mais. Crois à ton cœur et fais ce que ton cœur te demande de faire. Oui, parlons de mon cœur. Je crois vraiment en mon cœur. Juste que je suis vraiment confus. J'aimerais savoir si tu m'aimes comme je t'aime. Je veux savoir si tu me laisseras aussi bien te connaître. J'ai besoin de connaître ton peuple. J'ai besoin de savoir où tu habites. Je veux les connaître. Mon cœur bat pour toi. Ije love sika kwanwe ije love ije love sika kwa love na tuto modiri zinwanem love na tuto modira fecha wanem ije love sika kwanwe ije love Ije love sika kwa agama kole galole ififuna nyane menu agama kole galole ifuna nyane menu ufodo ne kweronwu akwa maka ifuna nya ebe ufodo ne gbunonwe ha maka ifuna nya ufodo ne jenumba ebe ha na acho ne ifuna nya ufodo ne onwe ho ho hancha maka efunanya ije love sikakwa ije love ije love sikakwa. S'il te plaît, j'ai besoin de comprendre là où tu restes. Cet endroit ressemble-t-il à ton lieu de repos ou à l'endroit où tu vis? Tu peux voir, ce n'est pas effrayant. Je n'ai peur de personne. Personne. Et si tu ne peux avoir peur de personne, et que dire alors des animaux sauvages? Parce que ils peuvent juste venir ici et te dévorer. Je veux y penser. Alors dans ces cas, je vais m'en aller. Personne ne sait vraiment où je suis. Non,
Je t'aime. Et je veux être avec toi. Je sais. Je veux aussi être avec toi. Mais alors, il faut que j'aille à la maison. Non. C'est quoi ça? Tu as conquis mon cœur dans tous ces royaumes. Ça, c'est le symbole de mon amour pour toi. Prends, c'est à toi. Ça me représente. C'est vraiment joli. Des mystères, rien que des mystères, avec toi. Ton choix décide de ce que sera ton avenir. Agama kole galole, ifi funanya nemenu. Agama kole galole, ifi funanya nemenu. Ufado ne kwerongu, akwama ke funanya. Ebo ufado ne bunongweha, makahe funanya. Ufado ne jenumba, ebe hanachone funanya. Ali. Je veux mon prince. Arrête, je t'ai dit. Écoute. Mon prince. S'il te plaît. Non, je veux mon prince. Arrête de faire ça, ça suffit. Allez. Akweke, arrête. Arrête ça. Arrête, tu vas te faire du mal. Écoute ce que je te dis. Allez. Que veux-tu dire par tout est gâché comme ça? Non, rien ne va t'être gâché. Ton frère va bientôt s'emparer définitivement du trône. Et je ne regarderai pas cela arriver. Tu m'as entendu? Je ne regarderai pas cela arriver. Nous devons l'arrêter. Nous devons l'empêcher d'aller retrouver cette fille dont il a parlé. Tu comprends ça? Si c'est le cas. Abandonnons alors. Quoi? Oui. Je suis de cette famille royale. Je ne peux pas les tuer et en sortir indemne. Les dieux vont me tuer. Aoka. Les dieux ne te tueront pas du tout. Fais-moi confiance. Je veux que tu l'élimines toi-même. Tu dois les tuer de tes propres mains, princesse. Tu dois le faire. Tu n'as plus envie qu'on le fasse ensemble à nouveau? Obi, je te veux, mais je dois réfléchir. Regarde, Obi, on a fait un mauvais choix. Et de quoi est-ce que tu parles? On ne peut pas ravir le trône. C'est impardonnable. Regarde, mon amour. Allons juste loin d'ici. Comme ça, nous serons ensemble. Et tu seras capable de... Le trône est tout ce que je veux. Et ça reste comme ça. C'est impossible. Alors tu devrais mourir. Tu l'as juré sur ta vie, ma chère. Tu dois mourir. Tu l'as juré sur ta vie, souviens-toi. C'est impossible et c'est le point final. Vas-y, tais-toi. Tais-toi.
Tais-toi! Je veux que tu meurs! Je veux que tu meurs! Ma reine! Oui, grand sage. Les dieux sont là pour vous donner ce que vous aviez cherché. Haruka a été bannie par les dieux pour avoir tué sa servante, Ijemili. Avec l'aide de son homme, Emeka. À cause de sa soif pour le trône. Pour ceux, Emeka a été bannie par les dieux avec la folie. Il restera fou ainsi pour la vie. Ceci est une leçon que chacun de vous doit retenir ici. Car les dieux sont les plus sages. Mbeke, arrête d'être comme Akweke. Elle est toujours derrière le prince pendant qu'elle sait que le prince ne l'aime même pas. Voyez-moi celle qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il un homme qui te court après? Ça veut dire quoi cette bêtise? C'est quel genre d'insulte, non? De toute ta vie, n'ose plus jamais le faire, hein? N'ose plus jamais, je ne te blâme pas. Regardez celle que j'appelle amie. Je me blâme moi-même d'avoir pour amie une fille qui n'a pas de sens comme toi. Foutaise, allez, viens par là, approche. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te montre. Tu as les kilos de parler. Souzé, tu es bien aujourd'hui. Parle, non. Arrête. Tu vas aujourd'hui voir. Bébé. Love koke onanya, love we, love we, love koke onanya, love na toko tane, bona kwebu kwebu, love we, so sweet, sometimes so bitter, love we, so sweet, sometimes so bitter, love we, love we, love we, love we, love we, love we, love koke onanya. Love it, love go kiunanya. Love it, so beautiful, but say too. C'est pas possible. Donc tu essaies de dire que c'est cultivateur. Non, c'est chasseur et t'es un prince. Mais tu ne dis rien. Comment cela peut-il être vrai? Non, c'est impossible. C'est pas vrai. Un fermier? Un prince? Comment ça? Le monde ne cessera de nous étonner. Je n'arrive pas à accepter cela, ma. Je dois partir. Je rêve ou quoi? Non. Ça ne peut pas se faire. Je dois le séparer. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas faire passer cette opportunité juste comme ça. Oh non, épouser un prince pendant que je suis en train de regarder. Jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Hey, Akweke, mon ami. Mais Soma, tu ne vas pas croire. J'ai une chose à te dire. Raconte.
Tu sais que je suis impatiente. Je sais que tes oreilles sont toujours prêtes à écouter. Attends, je vais te dire. J'ai décidé de donner à Ijele une chance. Hein? Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Attends. Okay. Et je pars faire la chasse avec Ijele aujourd'hui. Ah, non. À quoi que tu plaisantes? Je te dis la vérité. Ijele. Oh, la jolie. Tu es vraiment très jolie. Comment ça va aujourd'hui? Je vais bien. Es-tu prêt? Oui, allons-y. Mais Souma. Oui, bye. C'est bon. Partez. Partez. Personne doit savoir là où Ouria se trouve. Ikenga doit absolument croire que Ouria est morte et partie pour toujours. Où est-elle maintenant? Elle est loin et endormie pour ne plus se réveiller. J'aimerais bien que tu m'emmènes là-bas. Oui, Zulu, je suis là. C'est bien de te voir. Oui. Oui, tu m'as appelé. Si tu veux aller dire quelque chose, je suis là. Il faut que tu saches que tel que Père est sorti là, nous devons absolument le suivre. Tu dois venir avec moi. Je te le dirai. Allez, viens avec moi. Alors, est-elle partie? Oui, elle est partie. Partie pour de bon? Et il y a juste un esprit qui résiste à revenir. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Les yeux des dieux. Nous devons nous préparer à emmener son corps très très loin de notre royaume. Mais pour le moment, laissons son corps ici. Tes fils vont retourner d'un moment à l'autre, puisque la mission pour laquelle ils étaient embarqués était en vaine. Oh, oh, vraiment? Mm-hmm. Leur mission était vaine? Oui. Mm-hmm. Ma très chère, les yeux des dieux, une femme plus puissante qu'un homme. Sans toi, que serais-je devenue? Une très grande femme. Très puissante. Bien puissante que tout homme vient vers elle. Ouria. Iguabumonu. Makanka. Onome ziatki. Ome sinatoua. Makalandi nan. Nanindibu. Makalondibu. Naga. Naga! Pars. Qui es-tu? Il y a ceux qui suivent leur cœur et ceux qui ne trouvent pas l'amour toute leur vie. Je demande, qui es-tu et qu'est-ce que tu veux? Je suis la mère du royaume du néant, le royaume de l'ombre, le royaume des quatre esprits. Je ne sais pas de quoi tu parles. Que veux-tu dire par là? Ouria est l'amour de ta vie. Va à sa recherche. Oublie le choix de ton père. Tu connais Ouria? Que sais-tu là concernant? Ton père veut te séparer de son cœur, mais ton cœur la réclame. Et tu dois suivre ton cœur. Va maintenant à la rivière d'Amagone. Pars!
en amour. Ça, ce n'est pas ce que nous nous sommes promis. Je me souviens de ce qu'on avait dit. Que nous allions nous aimer. Pour toujours. Mais c'est bien toi qui m'as quitté. Réveille-toi. Réveille-toi et chante-moi ces échos d'amour. Ma chanson me manque. Réveille-toi. Réveille-toi. Laisse-moi pleurer. Laisse-moi pleurer. On l'a mise hors de ma vie. Ils disent qu'il y a un talisman qui pourrait servir de clé pouvant la faire sortir de sa tombe. Et il y a seulement ce talisman qui pourra la ramener en vie. Je suis très fatiguée. Obim, tu as vraiment aimé? Oui, Akweke. Bien sûr. Akweke, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est le prince. Qu'est-ce que le prince a fait? Il part chercher Ouri. Quitte à... Elle habite très très loin. Si seulement elle arrive ici, le prince va mourir. Il va mourir. Fais quelque chose. Non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Mon prince! Oui. Mon prince! Chérie! Mon prince! Mon prince, mon prince. Ah. Mon prince, mon prince. Vous serez très riches, tous les deux. Issé. Vous mettrez au monde des magnifiques enfants. Issé. Je vous bénis indéfiniment. Issé.
faut, ma chère fille. Tu n'aurais pas dû me suivre. Je ne peux pas te laisser partir seul. Et aussi longtemps que les dieux ont dit que tout celui qui vit dans le palais peut sortir sans peur. Pourquoi devrais-je craindre? Je suis ton frère, aurais-tu oublié? Oui, tu as raison. Tu es mon frère. Et je t'en dois une. Ikenga! Ikenga! Comment oses-tu l'appeler de la sorte? As-tu oublié qu'il est le prince de cette terre? Je suis désolé, mon prince. Il est aussi mon ami. Mon prince, je peux discuter avec toi? Enfin, s'il te plaît, laisse-nous un peu parler. Est-ce que tu es vraiment sûr de ça? Ikenga, je veux que tu réfléchisses encore. Chuka, j'ai déjà pris ma décision. Avant d'arriver à ce point, j'avais déjà pris ma décision. Et si alors tout ça c'est vrai? Et si alors elle est sorcière? Là c'était un plan malicieux, conçu par mon père et sous l'œil des dieux, pour enlever l'amour que j'ai pour elle. Mais ils ont échoué parce que cela ne va plus jamais arriver. Je vais prendre ce qui m'appartient. Je crains que tu meurs, mon prince. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ok? Alors, retourne à la maison et laisse-moi continuer mon voyage. Et à propos de ton frère, tu lui fais confiance?
Oui, nous sommes dans la forêt. Mais je ne le trouve pas. Il n'est pas là. Qu'est-ce que nos anciens ont dit? Qu'est-ce que les dieux ont dit? Ils sont silencieux. Silencieux? Non, ils ne peuvent être ainsi. Les yeux des dieux, tu dois chercher pourquoi. Tu dois leur dire. Ils doivent nous dire où est-ce que mon fils Ikenga se trouve et où se trouve Uria. Sinon, si Uria tombe encore sur mon fils Ikenga, elle le tuera. Et mon fils ne me reviendra plus du tout. Il n'y a rien que nous puissions faire. Attendons qu'il nous parle. Il n'y a rien que nous puissions faire. Les yeux des dieux. Il n'y a rien que nous puissions faire. Les yeux des dieux. Nous sommes en train de parler de mon fils, Ikenga. Je viens encore d'entendre les échos. Je n'ai entendu aucun écho. Je pense qu'elle essaye de communiquer avec moi. Elle essaye de me dire quelque chose. Mais n'est-il pas grand temps qu'elle arrête ? Pourquoi elle me fait souffrir? Pourquoi? Le seul crime que j'ai commis est de l'aimer. Et ceci est la fin du monde pour toi, Ikenga. Ah! Ah! Zulu! Qu'est-ce qu'il y a? Zulu. Je voulais seulement te dire. Il veut te tuer. Zulu, arrête. Zulu. Tu étais le seul à avoir toute l'affection et je n'étais qu'un enfant abandonné. Écoute, Zulu, écoute-moi. Il faut que tu m'écoutes. Zulu, arrête. Pardonne-moi, Ikenga. Je te pardonne, mais il faut que tu arrêtes. Zulu, réveille-toi. Thank you.
Ça, c'est vraiment toi? Oui. C'est moi, mon amour. Viens. Je me disais même que j'allais vivre finalement sans toi. Non, mon amour, ce n'est pas possible. Tu vaux le monde entier pour moi. Je ne peux pas te laisser. Tu dois partir. Rentre dans ta famille. Non, Oya, allez, va ne fais pas ça. Va leur dire à propos de notre amour qui est presque perdu. Et aussi à propos de leurs enfants. Pars, mon amour. Pars. Mais on ne peut pas y aller. Je ne peux pas y aller. On ne peut pas y aller. Regarde-moi dans les yeux. Mon amour va te conduire. Tu vas arriver jusque chez toi. C'est une sauf. Oya, en fait, je viens de perdre mon unique frère. Je n'ai plus que toi. Tu peux juste tout me donner de toi? Vas-y, mon amour. Pars. Bon, d'accord. Mais que veux-tu dire? Je ne veux pas qu'on y aille. Vas-y. Pars. Pars. Attends, là, mais où vas-tu comme ça? Des mystères. Il y a des mystères. Les vivants. Il y a les vivants. Les vivants. Les déluges. Il y a les déluges. Parole de Dieu. Grande sage, qu'est-ce que les dieux ont dit? Où est mon fils Ikenga? Et où est Uria? Les dieux ont proféré à cette histoire d'amour. Hein? Hmm? Merci aux dieux. À partir des échos du silence, avec les échos de rien de moins, cette histoire doit être dite aux générations à venir. De quoi exactement es-tu en train de parler, grande sage? L'amour de Ikenga et de Oria est approuvé par les dieux. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, elle la tuera. Non, pas du tout. Oh. Oui, puisque cet amour a été approuvé. Igwe, il y a un problème. Il y a un danger. Danger? Problème? Comment? Quel est exactement le danger? Un danger qui était prémédité. Ton fils Zulu est mort. Hey! Non! Mort? Non, non, mon non. Mon fils? Quel fils? Quel fils, grand sage? Il planifiait de tuer le prince Ikenga avec les canifs royales. Non, mais c'est les non, dieux c'est se sont décidés de les trancler à mort. Abomination. Hein? En tout cas, non. Abomination. Ce n'est pas possible. Non. Tu veux dire non, qu'il a essayé de tuer son frère? Oui. Non. Les dieux l'ont battu à mort. Non. Les dieux l'ont battu? Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non. Akugo, y a-t-il
dit quelque chose que tu ne me dis pas, Kogo. Non, Igwe, 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 s'il te plaît, Igwe, s'il te plaît, Igwe, Igwe. Parle vite, parle. Le peuple de Amo a fort, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Akugo, parle d'abord. Je suis toujours votre reine. Parle. Mon roi. Je le détestais. Quel mauvais cœur. Pouvez-vous imaginer? Je continue toujours. Tu crois? Même si je détestais la maman. Mais mon roi, je n'ai jamais demandé à mon fils de tuer son propre frère. Je ne peux pas. Mon roi, s'il te plaît. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu as planifié avec lui? Je lui avais dit de l'emmener sur la terre des morts. Je lui avais dit de le faire parce que je t'avais entendu dire que s'il faut, il revient. Ikenga va mourir. Pauvre, c'est pas possible ça. Et je voulais aussi que mon fils soit le futur roi et qu'il hérite du trône. Je ne lui ai pas demandé de tuer son frère, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je demande pardon. Pitié. Je ne lui avais pas dit de tuer son pas frère. Pas normal. S'il te plaît, roi. Est-ce vous qu'on peut être méchant jusqu'à ce point, plaît, vraiment? Ikenga! Elle a peur de venir. Non, je suis prêt à l'accepter. Et je suis prêt à vous unir tous les deux. Merci beaucoup, mon père. Igwe, désolé. L'œil de Dieu. Je suis là. Agenouille-toi, mon fils. Agenouillez-vous tous les deux. Allez-y. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Ah, il va les bénir. Regardez-les comme ils sont mignons. C'est merveilleux. Par les pouvoirs qui me sont conférés. En tant qu'Igwe, les lions de Amafo. Je vous déclare aujourd'hui, tous les deux, mari et femme. Igwe! Igwe! C'est magnifique de voir la façon dont Ikenga est allé jusqu'au bout pour son amour. C'est merveilleux. Allez-y, amusez-vous. Que tout le monde s'amuse sur ces terres. En tout cas, c'est une bonne chose. Que tout le monde soit dans la joie sur ces terres. Parce que mon fils, Ikenga, a trouvé son véritable amour après plusieurs moments de difficultés. Non, arrête. Plusieurs moments s'il te plaît, de blessures. Je t'ai déjà pardonné. S'il te plaît. Lève-toi. Et nous devons également donner nos remerciements à Eze. Nos ancêtres. Nos ancêtres qui parlent à travers elle. Pardonne-moi. Nous te remercions, grande sage. Tu as toujours été là pour unir cette communauté, ce royaume pour être précis. Buvons tous, amusons-nous surtout. Où sont les percussionnistes? Chers guerriers, où êtes-vous? Jouez au drum car nous allons célébrer tous les jours. Faisons-le maintenant. Parce que Ouria est l'une des nôtres. Igwe! Allons-y, célébrons. Mon fils, Ikenga, se marie à cette pure beauté. Allons-y. Célébrons tous. Célébrons donc tous. Allons-y.
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.